Seigneur, toi Jésus-Christ, c'est la parole et la parole est encore celle qui a été révélée pour notre temps. Tout notre cœur est à toi ce soir. Nous ne sommes pas venus à une convocation d'un homme, mais de toi qui as appelé les uns, les autres vers toi. Digne de nous parler parce que nous avons besoin d'écouter cette parole pour nous conduire notre Dieu sur la terre des hommes. Dirige toutes choses au nom de Jésus-Christ et prié. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Nous voilà encore ce soir. Tout cela, c'est une grâce de Dieu. Cela n'est pas venu d'un homme. Si cela était notre désir, chacun connaît son programme. Si c'était ton désir d'être venu là, et c'est que peut-être tu n'as pas venu. Parce que tu as encore d'autres préoccupations que tu voulais exercer. Au lieu d'être dans ce lieu, tu es là encore vagué à d'autres occupations. Peut-être à cause de la fatigue, tu vas rester à la maison pour dormir. Mais c'est par la grâce de Dieu que nous sommes venus là. Parce que la parole nous l'exige. Dans le livre primitif, la Bible est toujours dans le cru. À cette parole, ils étaient toujours assidus au temple, dans la maison de Dieu. Parce qu'ils veulent en savoir plus. Ils veulent l'instruire. Ils veulent enseigner. Ils veulent encore exhorter. Pour que là où ils n'ont pas bien marché, qu'ils puissent être encore introduits là et bien dirigés. C'est là l'important d'un enfant véritable de Dieu. Et voilà, étant venu dans ce soir, nous devons encore regarder la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que les Écritures qui sont inspirées de Dieu, on nous a été donné pour notre instruction. Alléluia. C'est ça? Parce que quand nous prenons dans 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 16, la Bible nous dit toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. En fait, que l'homme de Dieu soit accompli et donc à toute bonne œuvre. La nécessité de la parole des Écritures de Dieu. Voilà la nécessité pour toi et pour moi. Donc nous sommes venus là à la convocation divine. Nous sommes convoqués à chaque moment, à chaque programme. Et donc, quand les amis pour dire je suis dans la joie, l'homme me dit d'aller dans la maison de mon père. Pourquoi il est dans la joie? Il connaît l'importance de la présence de Dieu. Il sait que la présence de Dieu, il reçoit les sages conseils. Il reçoit la parole qui libère son âme, qui guérit les autres, et qui lui révèle encore des meilleures choses. Et là, il est dans la joie. Amen. Vous voyez? La Bible, c'est des écritures là qui ont été inspirées pour la nécessité des enfants de Dieu qui sont créés à l'image de Dieu à qui Dieu a donné le responsabilité sur la terre des hommes pour leur salut. Il faut qu'ils soient enseignés. Donc, un vrai serviteur de Dieu doit enseigner le peuple. Alléluia. Tu ne peux pas dire, tu ne peux pas parler de la prospérité, c'est-à-dire physique seulement, à un peuple de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu prend la parole de Dieu. Et c'est la parole qui réprimande comme la révélation qui nous a été donnée, qui est la parole et qui a été donnée à Jérémie. La Bible dit,
Je t'ai choisi pour que tu ailles. Détruire où le diable a planté des œufs. À libérer les enfants. Et à les réinstaurer en fait que la vie de Dieu soit en eux. Mais si je viens, puis disons, reçois la bénédiction matérielle. Viens, je dis, tu vas prendre la bénédiction pour que demain on signe ton passeport, tu vas voyager. Mais ça, ce n'est pas l'enseignement de la parole de Dieu. Ça va te nourrir toi. C'est à cause de tout, à cause de cela, tu vas courir et tu vas abandonner les activités pour venir t'asseoir là inutilement. Je me demande si souvent tu viens s'asseoir devant eux. Alléluia. Et quand je me rappelle, la parole dit, ceux qui se restaurent s'assemblent. Et c'est les oiseaux de même plumage qui s'assemblent. Peut-être c'est vrai. Mais celui qui est un enfant de Dieu, qui est nègre, et d'autres membres qui vit de la nourriture inspirée et révélée pour son temps, ne peut pas s'asseoir devant ces choses. Non, jamais. Tu ne peux pas dire ça. Et donc, le Seigneur dit, lorsqu'il entendra ma voix, il faut me suivre. Il ne peut pas suivre un mercenaire. Celui-là qui est venu pour les emmener dans l'abattoir. Mais ils suivront le vrai berger, celui qui est venu pour donner la vie pour eux, pour qu'il ait la vie. La vie, c'est tout la parole de Dieu. Parce que cette vie qui se trouve dans la parole de Dieu, la parole de Dieu est Jésus lui-même. Amen. Alléluia. Depuis la décennie, de la jeunesse, du jardin, jusqu'à personne, la libération du peuple d'Israël, des Égyptiens marchant dans le désert, la vie libre de lui, il y avait problème de Dieu. Dans la journée, il n'y avait pas la nuit. C'était toujours des hommes dont la survie que Jésus-Christ suivait son peuple. Amen. Alléluia. Mes frères, c'est son d'aller nos frères mentir. Le Seigneur m'a dit, et il y a les serviteurs du diable. Oui, il y a le ministre de Satan. Qui existe. La parole de la vie. Ils sont pleins dans le monde. Alléluia. Amen. Et la Bible dit nous connaîtrons un prendant par ses fruits. Souvent, lorsque je m'assois derrière le lycée, et c'est que la plusieurs cellules de prière qui se tiennent au lycée ici municipal. Mais lorsque tu les écoutes, même les païens se plaignent. Les païens, ils se plaignent. Ils disent que c'est du bruit. C'est les païens qui sont assis souvent avec moi. Ils disent que c'est le bruit. Les gens viennent faire du bruit. Alléluia. Et maintenant, il y a des gens qui vont là. Mes frères, c'est pour vous que vous pouvez comprendre que. Rien que la parole qui instruit son peuple. Ce soir, nous allons jeter les regards dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10. Celle-là sera notre hôtesse. Et puis, nous serons instruits par la parole de Dieu et par le Seigneur lui-même, par mon Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 10. Si je n'ai pas pu finir, peut-être je peux finir une autre fois. C'est une partie de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Mais ici, nous allons nous intéresser un peu ce chapitre-là. Verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la lumière, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel,
et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous, servir des hommes, en fait que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenons point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir des hommes, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. En fait donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne peut être survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Ça, c'est une petite portion de ce chapitre, de 1 Corinthiens chapitre 10. Voilà un peu ce que nous devons dire. Et nous savons que c'est cela un rappel qui a été donné de la part du serviteur de Dieu, l'apôtre Paul. Il ne s'est pas adressé aux païens. Ce n'est pas au devant des païens qu'il a commencé à faire ces gens discours. Mais c'est au devant des chrétiens. C'est aujourd'hui, nous croyons, nous acceptons de marcher avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je décide d'en pardonner ce mot et de marcher avec Jésus avec ses principes. C'est au moment de ses frères et sœurs, l'apôtre Paul s'est arrêté pour faire un retour et un rappel. Pour ne pas que ces frères-là arrivent à oublier quelque chose. Pour ne pas que ces frères arrivent à dire qu'ils sont meilleurs à leur temps. Donc ils peuvent s'en recueillir. Ils peuvent se tromper d'orgueil et monter leur épaule. Pour dire là, il a dit je suis chrétien, j'ai pris mon baptême, mon engagement, je me suis fait passer par les deux baptêmes. Aujourd'hui, je suis chrétien, donc je dois passer, oui, comme un chrétien, je dois parler et puis je dois suivre. Alléluia. Mais bon, interpeller ce chrétien-là, on n'est pas au pied du chaud. Pour dire que là où nous sommes aussi, il y avait des personnes qui avaient fait un roman avant nous. Depuis la création. Et nos personnes, toujours, viennent du peuple d'Israël. Le peuple de Dieu, par eux, nous prenons toujours des exemples. Pour réfléchir notre mémoire et pour avoir une position noble. Alléluia. Nous ne pouvons pas être des faiseurs d'exclusion si toi tu n'as pas vécu les faits. Alléluia. Quelqu'un peut donner des exclusions ou peut-être interpeller quelqu'un d'un fait qu'il a vécu. En donnant des conseils souvent à un enfant, ou bien à un ami, ou bien à un frère, ou bien à une connaissance, pour qu'il arrive à prendre des précautions,
elle a vécu. Et ceux qui ont vécu cette marche, c'est par les raisons Paul nous rappelait et nous tirait notre attention. Pour dire, j'ai fait attention. Alléluia. Le verset 11 nous positionnera. Il a dit, ces choses leur sont arrivées pour servir les saints. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Ce qui veut noter, c'est le titre. Du verset 11, nous prenons cela pour notre titre. Du message. Ces choses ont été arrivées. Leurs sont arrivées pour servir des saints. Quelles sont ces choses qui leur ont été arrivées pour nous servir des saints? Prévoyez prochainement, nous tombons dans cette même faute. Sans prendre précaution. Alléluia. Dans toute chose, il y a toujours un point d'exemple. On prend l'exemple quelque part. Ou bien un point de repère. Souvent, quand on marche sur la route, quand on se regarde des hauts lycées, la fermeture est gardée pour tirer votre attention, pour ne pas tomber dans le trou, on met un bois ou on met un bois avec une plaque. C'est pour faire attention là. Arriver à un lieu, tu dois le dévier. Parce que si tu ne le dévies pas, tu vas te faire du mal toi-même. Par exemple, ton monde dans le trou, c'est tu vas mourir ou peut-être tu vas te casser, tu peux casser l'un de tes membres. Alléluia. Et cela aussi dans la parole de Dieu. La Bible qui nous a été servie comme boussole est là pour nous conduire à chaque moment. Donc, les serviteurs de Dieu qui prennent les lignes de la parole, qui sont appelés à méditer par un canal pour édifier le corps de Christ, doit être un exemplaire où doit emmener le peuple de Dieu à jeter les regards de la parole de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ lui-même est un exemple. Lorsqu'il est venu sur la terre, il n'a pas commencé par dire, viens prendre des miracles. Prenez la Bible. Il a toujours emmené les hommes à comprendre d'abord la parole. À connaître qui il doit adorer. Alléluia. N'est pas l'enfant de Dieu. Parce que là, tu ne sais pas qui j'adore. Tu ne connais pas. Amen. Et il a dit, frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Il a parlé de l'ignorance. Et vous savez que l'ignorance est un démon qui tue. Quand on voit vivre l'esprit d'ignorance, quand tu es ignorant en tout chose, tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Parce que cela ne te permet pas de le mieux conduire. Et là, le frère dit, mes frères, je ne veux pas que vous ignorez l'histoire du peuple de Dieu, leur conduite, leur défaut souvent, qui doit nous interpeller pour que dans la marche aussi spirituelle, nous sachions comment nous allons poser nos pieds. Amen. Alléluia. Amen. Mais frère, l'ignorance tue. Nous ne devons pas, nous devons bannir cet esprit d'ignorance dans notre vie. Et pour bannir cela, le Seigneur nous interpelle toujours de faire recours et de jeter les regards dans la parole. Rien que dans sa parole. Il dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit.
Parce qu'à travers de cela, il va te faire apprendre beaucoup de choses. C'est là que tu peux au moins éviter des mal que tu dois commettre. Alléluia. Si nous donnons des instructions à nos enfants, c'est pour dire à ton enfant, par exemple, si tu voles, peut-être tu vas aller au commissariat ou bien on va t'envoyer en prison. Mais si tu ne lui dis pas, l'enfant ne va pas savoir que le vol est un crime et qu'il est condamné. Et si le nom de Dieu, ses instructions viennent de la parole de Dieu. Mais s'il n'arrive pas à s'instruire en lisant la parole de Dieu, ou souvent, vous voyez, aujourd'hui, je vois les chrétiens, ceux aujourd'hui qui ne courent pas vers la Bible. C'est cette génération-là. À notre temps avant, une fois tu entends la parole de Dieu. C'est vrai, lorsque j'ai reçu la parole de Dieu dans l'organisation baptiste de mission, lorsque j'ai décidé de mettre mon pied, parce que quels sont venus, je ne suis pas les comme ça, je dis, tu m'as pas dit. Je leur ai dit, non, je ne suis pas prêt. Il y a d'autres religieux qui ne sont pas prêts. Et à cause des sentiments de l'homme, ils viennent. Mais tu te fais du mal. Et quand j'ai mis pied, et lorsque j'ai pris la Bible, ils ont commencé à lire les versets bibliques. Je suis allé à la maison, je n'ai pas de Bible. Il dit, mais lui, il a lu. Peut-être que dans sa Bible, ça fait tout. Mais qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? L'autre Bible que je vais payer là, ça peut se trouver dedans. Donc, pour bien sûr, je dois payer ma Bible. J'ai commencé à mettre, j'ai payé caisse, et puis j'ai commencé à mettre les 100 francs, 50 francs dans la caisse. J'ai payé ma Bible à 2500 euros, lui c'est bon. J'ai cassé ma caisse, et puis je compte ça fait 2600. En ce moment, c'est déjà le roi à la gare, Gabé gare, le bourreau. Et puis avec les filles, je suis arrivé avant le premier culte. Je suis allé dans leur lieu où ils vendent des livres. Il dit, j'ai vu une Bible. Donc c'est tout et j'ai tout. Celle qui vendait la Bible a dit, ah, mais comment est-ce que j'ai vu ton allée à Jésus? Il dit oui. Je me suis sacrifié. Parce que je vais avoir la Bible. Alléluia. C'est pour dire quoi? De Dieu qui te dit chrétien, comment tu peux te priver de la parole qui va te conduire? Comment? On n'est pas au temps des Romains où on dit personne ne peut prendre la Bible. Donc c'est le coup qu'on leur donne. C'est les petits livres qu'ils ont fait entre eux qu'on leur donne. Donc quand tu prends la Bible, tu vas mourir, ou bien tu seras aveugle, ou bien tu vas devenir fou. C'est ce qu'on leur a dit à son temps. C'est maintenant que les gens ont permis un peu que c'est un Romain là, un peu la Bible. C'est comme ça. Mais si le groupe GTO s'est révolté pour faire la Bible, c'est pour que chaque frère, chaque soeur ait la Bible. Alléluia. Donc, nous ne devons pas se donner dans l'ignorance. La Bible est l'ignorance du. Nous allons prendre Ephésiens, chapitre 4. Alléluia. Que le Seigneur nous soutient souvent. Parce que ce n'est pas facile. Ephésiens, chapitre 4, à partir du verset 17. Je fais la lecture. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscure. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux.
Alléluia. C'est ce même Paul qui interpelle les chrétiens d'Éphèse, c'est-à-dire les Éphésiens. Il dit, vous êtes les chrétiens, ne marchez plus comme des païens. Ces païens qui disent de la foi dans leur cœur. Même si tu n'es pas la Bible, déjà je suis chrétien. Mais dis-toi, quand tu es à l'école, tu es sûr que tu n'as pas de livre approprié à ces leçons que tu dois apprendre. Tu veux avoir ta moyenne? Dans le monde même, dans un ministère, il y a tous les documents qui régissent la société. Tu es à l'école et tu n'as pas de livre de mathématiques, hein, livre de sciences physiques, tous les livres pour être privés. Tu dis non, c'est fini, je vais retenir ici. Tu crois que tu vas la bonne moyenne? Alléluia. Peut-être que tu vas dire que c'est la grâce de Dieu. Comme le monde m'a dit que tu es Thierry Manani, c'est que tu es Thierry Manani, parce que tu connais les choses par contre. C'est la grâce de Dieu. Mais ça, Dieu fait des choses pour le monde qui est dans la voiture. Il dit, c'est ce que tu as semé, c'est ce que tu moissonnes. Donc, si tu n'as pas étudié, tu n'as pas de livre, tu n'as pas étudié. Donc, si tu ne t'étudies pas, tu auras de l'eau. Et toi, vous n'êtes pas toujours. Et vous ne serez pas comment, mes frères. Des païens. Elles marchent dans l'aveuglement. Ils jouent comme ils veulent. Même les questions qu'ils posent souvent, on la répond dans la Bible. S'ils disent que la foi est le cœur, mais la Bible fait la foi dans les œuvres, c'est une foi fausse. Amen. Non, soyons sérieux. Si le frère Philippe a une foi, a reçu une bonne réponse, par exemple au travail, dans son service, on lui a donné une promotion. Amen. Comment je peux savoir que le frère Philippe a reçu une promotion parce qu'il est dans la joie? C'est en se manifestant, c'est-à-dire sur son visage, là qu'il va poser. Alléluia. La joie d'abord commence dans son cœur, et puis ça se reflète sur son corps. Et quelqu'un qui est dans l'amertume, on le sent par son visage, par ses réactions. C'est même lui qui la foi. La foi en Christ va nous mener à avoir une vie authentique. Amen. Et Paul nous dit dans Ephésiens, ce chapitre-là du verset 17, il dit ne marchons plus comme des païens là, qui marchent selon la vanité de leur pensée. Nous, notre pensée est changée. Nous n'avons plus la pensée des païens. Nous, notre pensée est régénérée. Nous avons la pensée maintenant de Dieu. La réflexion en Jésus-Christ. Et donc, quelqu'un dit, ayez le sentiment que Jésus a l'air. Alléluia. La Bible est déjà pensée comme Jésus. Jésus pense comment? Jésus parle comment? Jésus marche comment? Jésus réagit comment? C'est ça, désormais, selon mes réactions. Et donc, quelqu'un de cette réaction que les apôtres ont eu autrefois, c'est là en Dieu. On leur a dit, ah, ceux-là, ils marchent comme Jésus. Donc, ce sont les chrétiens alors. Les petits Christ. Toi, tu es qui? C'est toi qui as dit, non, je suis petit Christ? Non, ça, c'est les pensées des païens. Mais toi, tu es comment par tes œuvres, par tes actes, par tes comportements, au milieu de tes frères, de tes amis et connaissants, au milieu de ta famille, les gens vont voir que c'est Jésus-Christ qui travaille en toi. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères, il est temps de revoir notre vie spirituelle. Souvent, hier, j'ai appris une rue de campement.
y a une famille, il vient ici. Mais il t'attend. Souvent, je vais, je m'asseye avec eux. Hier, il y a un patron. Et puis, de loin, le frère, il vient. Puis, il s'est arrêté d'abord. Et puis, il m'a dépassé. Il dit, frère, deux fois, trois fois, il a regardé derrière. Il dit, non, c'est moi. Il dit, je suis pressé. Je suis pressé, je vais quelque part, on va donner rendez-vous, donc je vais là-bas. Je ne vais pas arrêter. Mais un marché me dit, et c'est là. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces frères-là ou de ces soeurs-là? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore entendu? Qu'est-ce qu'ils veulent entendre? D'abord, bon, je peux dire que, comme il ne peut pas encore faire partie du monde de l'église, mais. Il était un petit débraillé, petit débardeur, et puis il y a le rap. Donc je marchais, ici c'est arrivé, j'étais à la maison, à peine que je me réunisse, sa femme est arrivée de ses activités. Et puis j'ai dit, sœur, notre famille, vous nous avez pardonné, réveillez-vous. Elle dit, vraiment, on t'a compris. J'ai compris, je n'ai pas dit bon. Comme mon mari, s'il était là, il a dit pour lui. Mais je n'ai pas d'autre argument à donner. Bon, ça m'a trop peiné. Et puis, je vois, laissez-moi dire quelque chose. Ça, c'est mon opinion personnelle. Et je dis ça toujours. Si ça vous choque, pardonnez-moi. Je dis, c'est pas, on ne peut pas mettre. Un chrétien, à cause d'une réunion, je ne peux pas, je ne veux pas venir faire le culte de dimanche. Prends ta Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Dans le premier de l'Ancien Testament, on ne le sait pas. La Bible, à ce temps-là, est une instruction qui a été donnée par le Seigneur. Le temps de écouter la parole de Dieu, personne ne travaille. Aujourd'hui, notre jour, à quoi une réunion du monde à recevoir la parole de Dieu? Bon, prenez l'exemple, un païen lui-même ne peut pas le faire en pardonnant son Dieu. Soyez sérieux. Nous, on ne peut pas au Seigneur notre Dieu et vous voulez que les autres qui sont derrière prennent au Seigneur notre Dieu. Je dois tout le dire. La Bible dit de ne pas avoir les mêmes pensées que les païens. Il dit quoi? Qu'ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence officielle. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Est-ce que nous sommes étrangers à la vie de Dieu? Si eux, ils sont étrangers à la vie de Dieu, est-ce que nous aussi, vous et moi, nous sommes étrangers à la vie de Dieu? Alors, maintenant, nous revenons au Nouveau Testament. La Bible dit là, dans Actes, chapitre 2, prenant à partir de 41. Si vous voulez le lire, vaut mieux le commenter. Pour que chacun arrive à comprendre. Alléluia. Amen. Et on parle. Arrivez au milieu du message. Où vient-ce? La Bible seule qui acceptait sa parole fut baptisée. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement. Comment on peut persévérer dans l'enseignement? Comment? En allant aux réunions du village? Non, il y a d'autres qui prennent le dimanche.
Si ce dimanche là tu n'es pas parti, ça fait bien. Ça fait quelque chose. Tu sais à quel moment le Seigneur va venir? Et il dit, ma venue sera comme un voleur. Mettons ça en tête. Et souvent, on prend le temps de lire ces passages-là à la volée. Le Seigneur Jésus dit, ta venue sera comme un voleur. Il ne va pas t'appeler lorsqu'il va venir. Et la Bible dit que ces hommes qui ont reçu la parole persévéraient. Ils n'ont pas dit, mettez un temps. Persévérer dans l'enseignement. Ceux qui avaient accepté la parole. Peut-être l'exception qu'on peut donner, peut-être ceux qui sont vraiment malades, qui peuvent rester à la maison. Ça, c'est l'exception souvent. Mais Dieu t'a donné la force, la santé, du premier au 30e du mois. Et puis tu es en train de différer l'adoration à cause d'une réunion. Non, il y a longtemps que lui-même là, eux qui ont invité la réunion là, on ne te voit pas. Oh. Vraiment, ce sont mes parents. Donc si c'est dimanche là, je ne vais pas les voir. Mais si c'est son temps d'aller adorer, aller vers l'eau, vers le bois, il ne va pas dire que lui-là, je ne l'ai jamais vu. Il va aller d'abord. Nous sommes africains, on le sait. On le sait. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la pension du paix et dans les prières. Lorsqu'ils ont accepté la parole, ils étaient païens. Avant d'accepter, ils ne sont pas quittés au ciel, mais ils ne sont pas tombés pour devenir chrétiens. Ils étaient païens, ils ont vécu les actions païennes, les mouvements païens. Ils ont fermé les choses dans les boîtes de nuit. Nous, on a fait. Mais le jour où ils ont reçu la parole de Dieu, ils ont dit, on doit mettre un peu, on doit arranger notre vie. Parce qu'il y a une nouvelle chose qui rentre dans notre vie. Notre esprit est éclairé. Donc désormais, je fais partie de ce groupe, de cette famille-là. Donc je ne vais pas manquer à l'enseignement de la parole de Dieu. Et la Bible nous emmène ceux qui étaient la première famille, ils disaient quoi? Ils étaient ensemble, enseignaient des apôtres dans la communion fraternelle. Dans la façon du pain, dans les prières. Dites-moi. Que le Seigneur nous soutienne. Que le Seigneur nous aide. Mes frères, réveillons-nous. Nous sommes en 2013. Réveillons-nous. On ne peut pas faire passion du pain. On ne peut pas faire des moments de prière tout seul. C'est vrai que nous prenons seul. Il y a d'autres hommes qui ne peuvent même pas même prier, rendre visite à leur frère et à leur soeur. Mais ils sont toujours zélés avec des païens, des amis païens. Où il allait, il est toujours avec ses amis païens. Là, il est beaucoup à l'aise. Quel est le genre de chrétien? C'est qu'il n'est pas encore chrétien. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous soutienne. Parce que, vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, si je n'ai pas fini, je vais continuer pour une autre fois. Mais c'est que le Seigneur nous aide vraiment à revoir notre vie et à être les véritables enfants de Dieu. Régénérés par la parole véritable. Véritable. Parce qu'en faisant ça, le Dieu va aller en avant. Parce que quand les païens vont nous voir, je serai toujours mon frère et ma soeur. On va prier. Je rentre à la maison, on s'assoit, on prie. D'abord, il me reçoit. Ou bien mon frère me reçoit. Il dit merci à Dieu de ce que j'ai marché, ou bien le chemin que j'ai emprunté. Et puis le reste, maintenant,
S'il n'y a pas de temps non plus, pour sa maison, pour ses projets, moi aussi pour ma maison, ce temps va prendre là, dans la prière. Vous croyez qu'on aura le temps pour critiquer quelqu'un d'autre? Non! On n'aura même pas le temps. Cela, la présence de Dieu sera effective. Et même par là, celui qui est dans le visage, dit, ah, la fois passée, j'ai échangé avec quelqu'un dans mon quartier. Alors tu as aidé. Il m'a posé des questions, on va encore aller le revoir et puis aller éviter. Dieu dit que le Seigneur a ajouté ceux qui étaient sauvés. Que le Seigneur vous bénisse.